Yo, yo, yo. Ooh. Wait. Salut tout le monde, je m'appelle Gilly, je suis né ici aux États-Unis, j'ai 25 ans et avant de commencer, je vais faire une petite présentation quoi, parce que je suis complètement nouveau sur la plateforme et tout. J'ai grandi ici aux États-Unis dans les banlieues de Washington DC et en fait, je suis un artiste et j'ai appris le français chez moi pendant le confinement parce que j'ai beaucoup aimé de rap français depuis très longtemps, depuis ça fait presque 10 ans. J'écoutais tout le temps le rap français, mais j'arrivais jamais de comprendre ce que j'écoutais, quoi. Et j'ai pratiqué beaucoup sur l'internet et les trucs comme ça, et c'était mon rêve en fait de faire de la musique en français. Je voulais faire de la musique en français et j'ai pratiqué en fait une fois avec quelqu'un sur l'internet et elle m'a dit, mec, t'es vraiment la seule personne que je connais qui aime bien de la musique de France et le rap français surtout. Donc pourquoi pas faire ou partager ton avis étant quelqu'un aux États-Unis pour tout le monde ici en France, ça va nous plaire. Et j'ai dit, en fait, pourquoi pas? Je suis ici. J'habite dans les banlieues de Washington DC et c'est vrai, hein. It is true. I'm from the fucking United States. Like, y a mon passeport ici, Modern Fucker. Je vais pas vous montrer parce que c'est privé. T'as capté? Et après, j'ai appris avec les livres. Vraiment. Complete French, tout ça. Y a pas de blague. Ok? J'ai vraiment fait ça. Et moi aussi, je fais de la musique en français. J'ai quelques chansons maintenant. Oh, j'ai deux chansons. J'ai une chanson sur toutes les plateformes et j'ai une autre chanson qui va lancer demain. Et depuis toujours, j'ai beaucoup aimé la musique de France, quoi. Et malheureusement, ici aux États-Unis, il y a personne qui connaît bien la musique de France et si je me sens toute seule ici parce que je voudrais bien partager mon avis sur le nouveau disque de Niska ou Booba ou les choses comme ça, mais c'est très difficile de trouver les gens comme moi, donc pourquoi pas partager mon avis sur l'internet, hein? Why not? It's worth a try. Donc c'est parti. Aujourd'hui je vais écouter une chanson de Ninho. Ninho est très connu en France, bien sûr, mais ici aux États-Unis, il n'y a personne qui connaît le mec. Il n'y a personne qui parle de Booba ou Niska ou les gens comme ça. Mais pour moi, ils sont incroyables. Incroyables. Et c'est mon rêve de travailler avec eux. Donc, c'est parti. Y'all ready? Let's go. C'est une nouvelle vidéo en fait. On va regarder Binks to Binks. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Fais-moi savoir parce que je suis en train d'apprendre l'argot et tout et c'est très difficile pour moi, hein, comme vous pouvez imaginer. C'est parti. Ok. J'aime bien Ninho mais j'écoute pas trop sa musique. Hey. Huh. Ok. C'est le vrai truc de gangster ici. Ils vont me tuer, quoi. Ici, aux États-Unis, comme vous pouvez imaginer, le truc de gangster est très, très grand. Vous pouvez regarder le plaque ou la peinture de Tupac. Je pense que c'est Tupac, non? On va voir. Ça s'invente des vies, mais en vrai c'est des clochards, ils aiment trop la fame. Hey. C'est des clochards, ils aiment trop la fame. J'aime les élastiques, on n'est pas les mêmes. Hey. Avec le taron, je parle en brique de Chipotle. Des stories bizarres, des négros bizarres, ça parle fort, on déboule. Ok. Brésil, Ibiza, oh, tout le monde, il faut savoir que je parle pas du tout parfaitement le français. Et je comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, Binks to Binks, je comprends pas.
C'est très difficile pour moi de suivre les paroles, quoi, parce qu'ils parlent si vite. Donc, si vous pouvez m'aider, ça va être incroyable. Merci. On parle pas du papier qui est rentré. On parle pas du papier qui est rentré. Si vous me jetez l'œil sur ma santé. Pas de coup. Banks, banks, banks. Minnesota. Minnesota. Yo, pourquoi ils parlent de Minnesota ici? Au moins, où j'habite, personne parle de Minnesota comme ça. Minnesota, c'est nulle part selon les gens qui habitent ici dans la côte de l'Est. Un peu plus dans les photos. Trop de charisme, trop de potentiel. Guitare électrique pour les contents. Si tu dis tu fais, si tu dis tu fais, j'aime pas relancer. Il me faut une happy ending. Happy ending. Happy ending. Happy ending. On sort du fin fond des nails, tour validé. Comme t'as pas été outillé, bouton rouge activé. C'est de ouf. Pour l'amour, t'as arrivé. Junkera, pour l'amour, t'as arrivé. Hey, hey, sur ma face. Ce que je pense sur le largot de France, je pense que c'est quelque chose de dingue. Parce que c'est un mélange entre l'arabe, les langues d'Afrique, j'imagine, les Antilles. Et après quoi France. Donc c'est quelque chose d'incroyable. Fuck. Hey, hey. 110 euros à la pompe, c'est un essence, c'est pas un diesel. Je suis en pétard, j'ai mon pétard. Avant de rentrer chez moi, gros, je fais deux tours. Ok. Refais le 3 décembre. Et personne sait pas. Hey. C'est fort. Hey, comment ça marche en France pour avoir une flingue ou une arme? C'est difficile, hein. Ici, aux États-Unis, c'est très facile. Si je vais. Et j'achète quelque chose dans la supermarché. Si je demande au daron, et écoute, mec, je voudrais bien acheter une arme, il va m'aider. T'as capté? C'est très facile. Très facile. En France, comment ça marche? Asking for a friend, parce que je suis pas si intéressé d'acheter les armes parce que je suis pas un gangster, quoi. Tu te rappelles de la mort quand elle est là. Ok. Ok. Hey. C'est l'influence de Pop Smoke ici, là. Appliqué dans les affaires. Depuis la ceinture, tant des cerises. L'humain est noir, noir, noir. Je préférais cacher l'empathie. Ok. L'empathie. Cacher l'empathie. Je me lève pour gérer l'entreprise. J'ai du cannabis de ouf. De ouf. De ouf. Ça pue de chic et ça marche, ça bosse en équipe. Ça a l'air du péché, ça a l'air de Messi. Je reviens éméché, je vide les Nessies. Yes, chauffant, je démarre à 400. Donc elle a lâché toute la cyprine. On va payer les affaires cash. Y'a pas de gravon qui me traque. Tous les poches, tout c'est grave. Depuis le gestart, je suis en attaque. Donc on a un jaune cadre en vert. Qu'est-ce que c'est c'est quelles les origines de Nino, en fait? Je suis curieux, j'ai jamais su. L'Afrique d'Ouest, non? C'est pas, j'en suis pas sûr. Toujours au consac, monte l'enfer. L'envers du décor, il est trop black. Il faut du cardio pour la guerre. Maman, je voulais pas ça. Il paraît que tout est tracé. Et en arrivant, je mets ta pièce, gros. Travail, je vais battre le match. Les adlibs ici sont complètement fous. Ok, ok. Au repas. Toi t'es le dindon de la face. Moi il me faut un pompe, un œuf. T'envoie la plus bonne des connards. Je te soulève comme les queues. Copine, j'ai un long chargeur, un blue jean. Tes copains sont morts dans le movie. Tes copains sont morts dans le movie. Je manie le 11-43 comme Poutine. Minimum 10 pour le New Deal. On a des tocas tout neuf. De quoi te faire faire 2-3 loopings. Principe et valeur avant les drahem. Midi ça arrête. Yo, qu'est-ce que ça veut dire? Le drahem et le wari. Le wari, le drahem, le hagra. J'écoute ça tout le temps, je ne sais même pas qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc si vous pouvez m'aider avec l'argot, ça serait incroyable. Ok, qu'est-ce que ça dit? Agora é mais fácil lavar a sua moto. Oh, il est au Portugal en fait.
Waouh! Je suis en train d'apprendre le portugais en fait. Ça, c'est incroyable. Agora, ok, je vais traduire pour vous. Vous inquiétez pas. Maintenant, c'est plus facile de nettoyer ta voiture, je pense. Okay. Et ouh. Allez. C'est de ouf. C'est incroyable. Hey Nino, si tu regardes maintenant, j'aimerais bien faire une collaboration avec toi, hein. Pourquoi pas? Si ici aux États-Unis, je peux partager ta musique avec tout le monde ici et tu peux m'aider, t'as capté? Parce que je suis aussi un artiste. Oui. Donc merci tout le monde pour regarder ma première vidéo ici et je vais lancer beaucoup de musique sur ma chaîne de YouTube aussi. Grosse, grosse, grosse force à French Balou. Merci pour ton soutien parce qu'il me connaît maintenant et on est en train de parler et tout. Et il m'a donné beaucoup d'espoir pour continuer avec ce que je fais. Parce que comme je t'ai dit, j'ai appris le français chez moi pour faire de la musique et partager mon avis sur les chansons et tout. Donc merci beaucoup tout le monde et c'est parti. On va continuer s'il y a quelque chose que vous voudrez bien que je fais. Je serai ravi de le faire et aussi il y aura ma musique dans la description de la vidéo ici. Si vous avez un peu d'intérêt, un peu de l'intérêt d'écouter ce que je fais. J'ai seulement 2 chansons en français pour l'instant, mais je vais continuer de bosser quand même. Merci beaucoup tout le monde, l'équipe. C'est parti, c'est Gilly ici, Big Gilly. Et on y va!